Rire et Chanson 100% Sketch avec Sébastien Baucher. Après les jumeaux qui étaient nos invités la semaine dernière sur Rire et Chanson, c'est au tour de Cécile Giroux et Yann Stotz de passer toute la semaine avec vous. Enfin, presque toute la semaine parce que bah, pour le premier jour, ils sont pas là. Mais heureusement, il y a du monde pour les remplacer et prendre le relais. Aujourd'hui, Mireille Dumas et Patrick Sébastien sont avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Mireille. Pardon, je te coupe. Oui. Je regardais les cheveux de Mireille. Ouais. On dirait le cul du caniche de ma sœur. Oh, d'accord. Ça me rappelle une soirée aux chandelles. Ça commence bien Patrick, merci beaucoup. Donc vous êtes venu nous parler du spectacle de Giroux et Stotz à l'Alhambra. Ouais, mais avant de nous parler de Giroux et Stotz, j'ai l'impression que c'est vous qui avez le plus besoin de parler d'humour, Sébastien. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous cacher finalement dans Rire et Chanson pour pallier à un manque affectif? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt déprime et silence que Rire et Chanson? Est-ce que vous êtes triste, Sébastien? Non, ça va. Alors, si t'es triste, j'ai une chanson. Ah. C'est une chanson-jeu. Ouais. C'est un nouveau concept que j'ai inventé moi-même avec moi. On cherche une fille, on se demande où elle habite. Très bien. Il y a un jeu de mots, tu verras. Oh, je dors. Où elle habite, voilà, où elle habite. On ne sait pas, peut-être au-dessus des couilles. Oh non. Alors justement, Sébastien, cette recherche de la bonne humeur constante chez vous, ça veut dire que vous avez un petit peu envie de pleurer, là, mais non? Mais pas du tout, Mireille, non. Non, mais quand vous dites... Mais là, j'ai vraiment rien dit, en fait. Ben justement, quand vous dites que vous ne dites rien, est-ce que c'est pas un peu une manière, finalement, de parler en somme pour ne rien dire? Ah, ouais, là, j'ai compris. Là. Voilà, c'est une première étape vers la guérison. Alors, si t'es malade, j'ai une chanson confort, une chanson bonheur, qui s'appelle « Si t'as la gastro, fais-toi un gastro ». Oh, non. C'est sur les restaurants. Ouais. D'ailleurs, pour les sans-abri qui voudraient rentrer aux chandelles, mais qui n'ont pas les moyens, j'ai créé les restos du cul. Moi, je donne un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Non. Alors, justement, en parlant de ceux qui n'ont plus rien, monsieur Baucher, est-ce que vous n'en faites pas partie, finalement? Je parle pas d'argent, mais émotionnellement, bien sûr. Vous n'avez pas l'impression de n'être qu'une voix derrière un micro? Non, mais ça va pas. Est-ce que vous avez envie de pleurer? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous rêvez de cordes, de fours, de couteaux, de pistolets, de boîtes de médicaments, mais de l'exomile ou d'une soirée avec Ariel Dombal? Oh, le pire. Alors, justement, à propos d'Ariel, j'ai une chanson sur une sirène qui a perdu sa queue. Il y a un Bernard Lhermitte qui lui dit: t'inquiète, j'en ai une aussi. Non, ça va être beau pour aujourd'hui, oh là là. Dommage. Bah, vivement qu'on ait Giroux et Stotz à la place, parce que là, vous vendre la semaine comme ça, c'est un peu particulier quand même. Le spectacle est à l'Alhambra, c'est avec Rire et Chanson, ça a repris la semaine dernière et ça se joue jusqu'à la fin de cette année. Peut-être à demain avec Giroux et Stotz. En tout cas, Mireille et Patrick, merci beaucoup. Merci.